Bien le bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va aller affronter un monstre qui s'appelle le Nargacouga, qui est un monstre qui s'apparenterait un petit peu à une panthère, mi-panthère, mi-dragon, enfin un truc pas mal. En fait il a exactement le même profil que le Baryote. C'est exactement pareil. Ouais, ça fait une espèce de félin dragon, on peut dire ça comme ça. Et par contre celui-là il empoisonne quoi. Celui-là il empoisonne, donc là ça me fait chier, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas quoi, hein, dans ce jeu, oulala. Donc bon ben c'est j'ai toujours le même équipement, hein, c'est un monstre qui craint l'électricité. Ils sont en train de se foutre avec les ludrottes là, les chakalas qui s'en foutent. Donc voilà, on va les trouver. Ça fait un petit moment que j'avais pas chassé dans cette forêt. Alors voilà, pour le trouver maintenant celui-là, il va être où? Le problème c'est que vous voyez dans la forêt inondée, il y a énormément de zones. Énormément de zones. Bon après il y en a beaucoup qui sont aquatiques, donc bon ça va. Normalement elle devrait être... Ah voilà, c'est la découverte, hein, regardez, ça c'est un nouveau monstre. Ok. Donc voilà. Oula. Ouais, il avait vraiment l'aspect d'une panthère, quoi. À mon avis, waouh. Il doit être super rapide, à mon avis. Waouh. Je me demande par contre s'il vole. Ça c'est... Je me pose la question. Ça m'arrangerait qu'il vole pas. Ah, faut faire gaffe avec sa queue, à mon avis, il doit empoisonner. Faut faire très attention à sa queue. Je connais pas les mouvements de ce monstre, faut que je fasse gaffe. Waouh. Vous voyez tout ce qu'il fait avec sa queue, ça doit... Ça peut empoisonner. Ouais, ça là, je sens mal. Oh là 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 là, la rapidité de ce monstre, mon de Dieu. Ah. Sa queue reste coincée dans le sol, il y a un petit laps de temps où on peut le frapper. Et elle m'a pas empoisonné. Donc je sais pas quelle attaque peut empoisonner encore. Tchatchak fait péter son sort de soin. Ah non, une attaque. À mon avis, on peut lui casser les oreilles. On va pouvoir lui couper la queue aussi. Oh, allez, nique ta mère. Eh merde. Aïe, 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 aïe. Voilà. Ah
Oh là 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 là, il est trop rapide quoi, inesquivable ces attaques, elles sont inesquivables. Ok, il se barre de ce côté. Donc j'ai réponse à ma question, ce monstre peut voler, donc il va falloir que je lui mette des pastilles là pour que je puisse le retrouver, parce que sinon ça va être trop chaud. Donc il est parti dans ce sens. Voilà, ça c'est toujours le problème, c'est que bah voilà, du coup... faut savoir où il est parti. Wow. Ah con, allez, j'aurais pu le taper. Je suis sûr sa queue je peux lui péter. C'est dommage genre si qu'on puisse pas péter les ailes des monstres et après ils peuvent plus voler quoi, ça serait cool. Ça ferait vraiment bien. Vraiment les dégâts qu'on fasse. Oh waouh, enfin, comme je disais, que les dégâts qu'on fasse sur le monstre, genre on lui pète la queue, et ben par exemple le Rathalos, tu lui pètes la queue, ben il peut plus empoisonner, alors que là l'heure actuelle, bon, tu lui pètes la queue, il empoisonne toujours quoi, il fait ce qu'il veut. C'est dommage, ça donne pas d'avantage casser les trucs. Allez. Allez, s'excite là. Ah, ça y est. Ouf. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh non, j'ai plus de vie, attendez. C'est un truc méchant là. Ah ça va. Wow. J'avais pas fait attention, j'avais plus de vie. Là. Je suis sûr on peut lui péter sa putain de queue. Dès qu'il tombe, je taperai que dans sa queue, je suis sûr que je vais pouvoir la casser. Nom de Dieu. Ça fait mal quand même. Ça me tape avec ça. Il y a un truc qui arrive ou quoi? Pourquoi le sol il tremble comme ça? Putain, il y a un autre monstre. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ça va, il se barre. Fais gaffe. Putain, ces conneries, ils te frappent. Voilà, ils nous donnent des premiers soins, ça c'est bien. Allez. Continue de le chasser. Et on est bon. Putain, je me suis fatigué. Wow. Je l'ai esquivé. Wow. C'est beau quand tu fais un truc comme ça.
Un truc qui s'est cassé. Un truc qui s'est cassé. Waouh. Ça, ça fait vraiment mal. Et pour le moment, il m'a pas empoisonné. Alors normalement, il est censé pouvoir m'empoisonner. Ah, j'ai fait une cicatrice au niveau de l'œil. Oh, il est crevé un œil en fait. Ah merde. Là il m'en met vraiment plein la gueule. Ouais ouais. Ah quoi, à chaque fois je tape trop tôt. Oh. Celles-là, elles ont frôlé mon cul quoi. Ok, il s'est barré. Allez. On continue à le harceler. Pour le moment, bon, ça va. Généralement, on sent que ça va passer tranquille, en fait. Il n'est pas spécialement dangereux. C'est vrai qu'il a des... Il a vraiment... il a l'aspect d'un baryote, en fait. Mais il a vraiment des autres mouvements. Il n'a pas les mêmes mouvements, quoi. Ça fait longtemps qu'il est pas tombé par terre, je pense qu'il va bientôt le faire. Putain, les ludrottes de merde qui vont... Ah ouais, vas-y. Putain, mais c'est ludrotte à la con là qui vient tout t'emmerder, mais... Mais les trucs qui servent tellement à rien quoi. Il est fatigué. Allez, on va au niveau de la queue, on s'en fout. Je sens qu'on peut lui péter. Aïe. Oh. Oh. Allez, je continue, je continue. Là, depuis tout à l'heure, j'y remets beaucoup. Ah merde, j'ai appuyé sans faire exprès, j'ai appuyé sur... Sous le bousin. Je vais remettre une pastille. Encore! Qu'est-ce qu'il fait là? Ah! Wow, il y a un truc qui pétait. Il y a un truc qui s'est pété. Je saurais pas dire quoi. Peut-être la queue là? Ouais, la queue. La queue qui s'est cassée mais qui s'est pas coupée en fait. On voit qu'il y a des écailles qui se sont barrées.
Putain, depuis tout à l'heure, je m'en prends plein la gueule. J'en ai eu plein la gueule au début de la manche quand on était dans cette zone là, mais alors maintenant c'est lui. Oh GG. J'ai une armure putain de solide. Et on y voit que dalle. Là. Aïe. Il se fait bloquer par l'arbre. Wow. Des fois, tu te demandes comment il fait pour pas te toucher, quoi. Ça, là, ça va rebondir à chaque fois. Allez, on se tire. Putain, j'ai le nez qui me gratte. Allez. Oh, bah tiens, c'est super. Je crois que j'ai des fourmilitures qui sont arrivées. J'avais même pas remarqué qu'on était à côté de... du camp. Alors on va faire ça. Hop, je vais prendre un peu de tout. Les marqueurs, c'est important. Bon son. Il a de grandes oreilles, donc peut-être qu'il craint le son. C'est sûr. C'est quoi, on va prendre l'aiguisoir. On va se bouffer. Une. En fait, je bouffe les rations. Plutôt que mes trucs à moi, parce que honnêtement, j'ai la flemme à chaque fois de... refaire des... des steaks à points là comme j'ai. Oh. Donc ailleurs. Je vais passer sur le côté. Je vais mettre une petite bombe son dans sa gueule. Voir ce que ça donne. Tiens. Wow. Ça l'a énervé plus qu'autre chose, j'ai l'impression. Bon, que dalle, ça, je crois. J'ai l'impression que ça l'a enragé, en fait. Ah merde. Eh. Bah il a plus de pique sur ces trucs. Il boite même pas encore. Hein. On va voir que ça fait peut-être un quart d'heure qu'on a commencé. Ouais merde, il frappe trop avec sa queue. Wouah, je crois que je l'ai pas vu revenir. C'est bon, il est fatigué. Il commence à être fatigué.
Là, faut que je fasse gaffe, ces ailes elles sont blindées. Ça rebondit sur ces ailes. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, oh putain, la queue s'est pétée. Ah ouais, on peut lui briser la queue, on peut lui couper. C'est officiel. Il a pas aimé, il s'est barré tout le de Nargaku. Ah, il a été empoisonné, le Kayamba. C'est bizarre parce que moi j'ai... Ah, mais il a dû être empoisonné par un... Par une espèce de vélociraptor à la con là, qui empoisonne, je sais plus comment il s'appelle. Un Woogie, je crois, une merde comme ça. Parce que pour l'instant, le monstre là, moi je pensais qu'il empoisonnait. Du moins, c'était dans sa description sur internet. Et pour le moment, à mon avis, ils ont dû se gourer. Hop là, la petite esquive, jolie. Aïe, aïe, aïe. Chier. Eh, merde. T'as, il saute de partout, il bouge trop, ce truc. Ouais, cette attaque là, des fois, je passe à travers, je sais pas comment je fais. Hein. Excusez-moi, mais... Des fois, t'as des attaques, tu te demandes comment elles font pour te toucher, et d'autres, tu te demandes comment elles font pour pas y arriver. Ah. Pas mal de potions, de premiers soins. On va s'en faire péter quelques-unes. Ah merde, j'ai pas vu ma barre de... Bon allez, on va le finir à cet endroit. Et encore une fois, je l'ai... Oh. Eh, sans déconner, je sais pas comment je fais. Aïe! Ouf. Oh là là, comme il a envoyé valser tout le monde, quoi! Allez, je m'en bats les couilles du bourgui. Putain, mes deux chakalas, ils sont plus là. Merde. Je croyais qu'il allait s'arrêter avant. Qu'est-ce qu'il fait là?
Là, il est encore solide quand même. Il boite, mais il est encore solide. Allez, normalement, là, on le défonce. Ah, je veux dire, au bout d'un moment. Je suis sûr qu'il va se casser ailleurs, ce con. Ok. C'est bon. Allez, on va aller défoncer les Woogie. Histoire de pas se faire... Merde. Pas se faire emmerder pendant qu'on dépasse. Au moins, on y a pété la queue. Au moins, ça fait... Peut-être qu'on en aura besoin. Alors, on a du Medulla, Nekai. Et pour finir, encore une Nekai. Bon, bah écoutez. Voilà, bon, c'est un monstre assez sympa. Moi, j'aime bien ces monstres-là, un petit peu vifs comme ça. En plus, je trouve qu'ils sont vachement stylés en fait. Ils sont vachement beaux. Donc écoutez, je vais arrêter la vidéo ici. Et puis on se retrouve pour le prochain montage. Prochain monstre, alors là par contre je sais absolument pas ce que c'est. Justement, ce monstre doit me permettre à mon avis de débloquer de nouvelles quêtes. Donc écoutez, on verra ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse à suivre. Allez, ciao tout le monde.